pas l'imaginer. Il faut la vouloir plus que lui, plus que Christo. Être lucide. Un bon départ, jaillir devant lui, absolument. Il n'y a pas grand chose, il y a 16 centièmes. Allez, maintenant le tir. C'est parti, ah, il est parti un peu endormi là. Il a mis du temps à s'extraire. Il est 16 centièmes là. Mais c'est pas grave, hein, ça va se jouer. Ouh, attention, le petit intérieur, il est un peu sous la porte. Christo qui passe devant. Ça va être chaud pour Alexis. Christo qui refait le coup d'inverser la situation. Mais Alexis qui refait son écart. Il a relancé Alexis, il est de nouveau en tête là. Allez, jusqu'au bout, pas d'extension Alexis. Ça va jouer à quelques centièmes. Il va aller chercher cette 30e victoire. Magnifique la victoire d'Alexis Peintureau, la 30e en Coupe du Monde. C'est pas grave, il y allait vraiment fort, c'est passé. Allez, le deuxième intermédiaire pour Alexis Peintureau, ouais, il est bien en place. 18 centièmes, la moitié de son avance qu'il est en train de faire. Oui, mais c'est bon, il est vraiment très très juste. Je pense que lui ne va pas faire la faute au niveau du Norvégien. Oh là là, pourquoi pas passer. Attention la faute, oh là là, il s'est fait bouger là, malheureusement. Deux portes, c'est pas grave, c'est ici maintenant qu'il faut prendre la vitesse, essayer de vraiment bien finir cette manche. Ça sera indispensable pour aller chercher devant le lead. Grâce à la faute de Magraff, hein, Gauthier. Hein, il a bien limité la casse. Il est toujours devant pour aller chercher. Jusqu'au bout. Une 31e victoire en Coupe du Monde. Allez. Alexis Peintureau, tout donné là sur le bas. Il faut nous faire vibrer. Allez. Il faut nous faire monter aux étoiles. Allez, Alexis Peintureau, il est devant la victoire. Elle est belle celle-ci. 700e de bonheur. 700e de bonheur pour Alexis Peintureau. La 15e victoire en Coupe du Monde en géant. Il est en train de leur répondre là. Ouais, le skieur de Courchevel qui passe au deuxième intermédiaire avec une seconde avance. Il a augmenté son avance, Gauthier. Il va aller chercher cette 32e victoire. Il est hyper juste. Ah, il l'a dans les jambes là, il l'a sous les pieds. Ah, il a géré un tout petit peu le roller, c'est pas grave, c'est une grosse difficulté. Ici, il faut rester bien stable. Parfait. Allez, on enchaîne le plat. C'est là qu'il va falloir être bon. Attention, cette porte, la prochaine, là, ici, et porte toujours, à 90. Et toujours 93 secondes. Attention, oui, il est direct. Allez. Il est direct. Non, ça passe tout très, très bon. Bien. C'est bon. Allez, c'est au bout. Ça va être un chef-d'œuvre. Ça va être un récital. C'est un moment mémorable ici. Allez. Peut-être la 32e victoire en Coupe du Monde d'Alexis Peintureau. Oui, la victoire. Oh, elle est énorme. On a coutume de dire qu'Adèle, c'est premier la plus belle. Premier temps de la deuxième manche. Mais le skieur absolu, c'est pas tout. Peintureau. Il faut faire le job, il faut aller la chercher celle-ci, il faut aller chercher Zubzic. Allez, allumer du verre en bas pour le français, c'est parti. Allez, ce droit bien solide. Oh, oui. C'est bien passé, impeccable. Allez, c'est là qu'il est bon, en général, il arrive à vraiment lancer la machine. Ça taille, Gauthier. Ouais, ça taille et c'est hyper précis. Excellent début de course. 1 seconde 07, il a pris 3 dixièmes à Zubzic sur le haut, Gauthier, c'est monstrueux. Et il est bien là, il est bien, les trajectoires sont superbes, la sortie de banane est bonne, il est dans le timing parfait. Il est un cran au-dessus. Est en train de faire une manche énorme. Il est un cran au-dessus que la concurrence ici à Adèle Bodin, Alexis Peintureau, 1 seconde 30, il prend 3 dixièmes à Zubzic à chaque intermédiaire. C'est stratosphérique ce qu'il est en train de faire, c'est impeccable, il skie 100% de ses virages. Il n'y a rien à acheter, tout est bon. Allez, il va aller la chercher, cette première place provisoire, Alexis ouais, Peintureau. Encore une fois, la route, il prend pas de risque, mais c'est parfait. Ça va lui permettre de lancer parfaitement ce dernier plat avant de rejoindre le mur final. Allez, 15 secondes encore, 15 secondes d'effort pour Alexis Peintureau. Attention à la petite dérive. Allez, il faut se donner de la marge ici. Ouais, un peu de marge 42. Sur ce pied gauche. Ça va être parfait. Monumental, ça va être stratosphérique. Bon. Oh, c'est superbe. Allez, il faut lâcher maintenant, il y a encore 3 portes à skier. Il a été monstrueux. Oh, c'est énorme, il va aller chercher la victoire. Allez, Alexis Peintureau qui en termine largement en tête. Oh, 1 seconde 26. Meilleur temps de la manche. Il est dingue. Mais c'est un extraterrestre. C'est la folie. Turo a chanté le bon refrain au bon moment ce matin. La France attend ça depuis 24 ans. Allez, c'est parti pour Alexis. Tout de suite, être bien en action. Voilà, bien travailler dans ce mur. Être aucune juste. Question. Aucune question à se poser. Non, prendre du plaisir tout simplement. Oh, ça se passe bien. Oh, bonne, toujours 4 dixièmes. Il en a perdu. C'est normal. C'est normal. Allez, il a de la marge. C'est pas essentiel de s'imposer aujourd'hui. C'est pas le plus important. Allez, viser les étoiles pour s'offrir un paradis éternel aujourd'hui pour le skieur de Courchevel. Une demi-seconde toujours d'avance sur Stéphane Brennsteiner. La France et les amoureux du ski alpin attendent ça depuis trop longtemps, JP. Oui, mais Alex, il va le faire. Le général, c'est dans la poche. Mais aller chercher aussi le globe du géant, ça serait monstrueux. Et la victoire, pourquoi pas aujourd'hui, c'est encore possible. Ça serait la 34e de sa carrière, la 4e de la saison en géant.
pour le français. Oui. Et il augmente son avance. C'est un récital. Ouais, c'est un chef-d'œuvre. C'est un monstre physiquement là sur le bas. Il est en train de tenir. La visibilité un tout petit peu moins Alexis. Bonne. Il est là, Alexis. Il écrit sa légende. Course après course, le français de 30 ans. Il a 30 ans attention. Aujourd'hui. La petite erreur là qui peut coûter la victoire. Attention. Et comme le cristal qu'il courtisait depuis si longtemps, il est indestructible. La victoire d'Alexis Pinturo. Oh là là. La 34e victoire. Oh, la les frissons. La 18e en géant. Le globe du géant JP. Le globe du classement général. C'est coup triple pour Alexis avec une pression de dingue. Félicité par Mathieu. Il n'y a qu'une vérité dans le sport. Le vainqueur a toujours raison. Alexis Pinturo est un immense champion. Ah, il est plus que fort. Le jour de son anniversaire, il a tout réussi. Gagner la course, gagner le général et gagner le globe de géant. C'est quel parfait. Quel moment. Mesdames et messieurs, la France et la Nouvelle-Zélande sur la pelouse du Millennium de Cardiff. Voir quelle sorte de AK vont exécuter les Blacks face à une équipe de France qui se rapproche, qui va quasiment au contact des joueurs néo-zélandais. Le premier défi de ce quart de finale. Maintenant, c'est du combat, c'est du contact, ça va être rude. Poxis pour un coup d'envoi très haut au point de chute. Keller, Mako, Carter. Oh, il est rentré encore, McAllister. Deux fois qu'il trouve l'heureux. Rideau défensif, il a servi Collins. Et c'est de McAllister. Il devait être dans le mouvement. Hein. Allez, là, il faut la rentrer, Poxis. Il a glissé au dernier moment. Ouais. Et ça passe. Et mais glisse. Le compteur est ouvert. Il continue à glisser. C'est bon. Ouais, le compteur est ouvert juste avant que M. Barnes ne siffle la fin de cette première période. La Nouvelle-Zélande mène. Attendez, il est devant les poteaux là. Et il ne faut pas trembler, Thierry. C'est un quart de finale de la Coupe du Monde. Il n'a pas 22 ans encore, Lionel Boxis. Bon, l'ami là, c'est pas pour rien. Avec Sarzeski. Et lui, il va péter plein de centres au milieu du terrain, libérer son ballon. Bien sûr, non, mon côté droit, on va le chercher. Et Elissal. Rate la course. Avec Claire. Allez, rate la course, avec oui. Du sautoir. Et c'est de du sautoir. Rate les courses, yeah. Ouais. Les applaudissements de Bernard Laporte. Et bien, en plus que ça soit du sautoir qui marque, c'est magnifique. Si. Lionel Boxis passe cette transformation, les deux équipes reviennent à égalité. Oh, c'est le poteau. Ouais. Et ça rentre. Chris Jack maintenant.
On est tout proche de la ligne. Soyalo. Essai de Soyalo. Eh oui, celui qui est capable de faire basculer un match sur une action, sur un exploit. On verra si c'est tout à l'heure, Christophe Dominici. Allez, la sortie. Vertraille qui a pris, qui a passé les bras pour Frédéric Michalak. Il y a du monde à l'extérieur avec Emmons qui va retrouver Josion. Josion Terre Promise. Josion dans l'embut. Et c'est français. Quelle relance, quel contre. Oh, c'est bien vu, mais c'est notre mêlée. C'est notre mêlée qui est à l'origine de cette action. On a tourné du bon côté pour libérer Harry Dordoki. Qui est allé envoyer. Voilà, voilà, quand on passe physiquement comme au trail et qu'on arrive avec la fraîcheur de Michalak qui retrouve à l'intérieur Josion. Celui qui a eu du mal en début de Coupe du Monde, qui a eu des soucis personnels, attention, ouais. La transformation d'Alissat et la France est passée devant. Voilà, le ballon. Avec Or maintenant. Ouais, il est là, ouais. Le ballon. Elissal, c'est fini. Il faut aller jouer en touche, Jean-Baptiste. C'est ouais. Ce qu'il fait. La France est en demi-finale ouais. De la Coupe du Monde de rugby. La France jouera contre l'Angleterre samedi prochain au Stade de France. La désolation du côté de Graham Henry. La joie d'Imanol Harry Nordoki, de Rougerie, d'Emmons. De Dominici, quel exploit viennent de réussir les Français. C'est du jamais vu. Prêt. Voilà, c'est parti. Marqueur Akil va prendre son départ tranquille comme d'habitude alors que Leslie John est en train de tout donner. Leslie John est parti très très vite. Regardez sur ce plan, Marqueur Akil, voyez même, est repris par Washington. Marc Akil va faire sa dernière ligne droite, je le sais, je le sens. Alors que Washington est en train de passer à l'attaque, l'Américain Leslie John est toujours dans le coup. Allez Marc, Marc a du retard, mais c'est maintenant qu'il va falloir qu'il s'arrache. Regardez, il est loin Marc Akil. Alors que Leslie John se bat comme un beau diable. Mais Marc Akil va devoir faire le retour de sa vie maintenant alors que les trois Américains sont là. Washington n'est pas en tête, c'est Jérôme Lang. Les Français se barrent, Marc Akil est en train de gagner mètre par mètre. Mais c'est trop loin, c'est trop loin. Et Marc Akil va venir, c'est pas trop loin. Oh là 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 là. Est-ce qu'il y a la médaille? Est-ce qu'il y a la médaille? Faites que la photo finish donne Marc Akil. Et là, oui, Marc Akil, médaille de bronze. Record de France, 44-79. Marc Akil a réussi. A réussi le retour incroyable, un Français sur le podium du 400 mètres au championnat du monde, c'est du jamais vu. Nouveau record. Regardez la voiture de Simon Pagenaud. Elle est plus rapide, la voiture de Simon Pagenaud. Ça va pas suffire. Ça va prendre la tête. Allez, à l'entrée du dernier tour. Là, il va lui mettre gros. Le dernier tour ici à Indianapolis, Simon Pagenaud qui a repris la tête. Regardez là l'avance, donc là il va pas se faire dépasser ici, il aura qu'une tentative. C'est à l'entrée du virage 3. La seule chance pour Rossi, drapeau blanc, c'est le virage 3. Le dernier tour pour Simon Pagenaud, peut-être en train de rentrer dans l'histoire, succéder à Gaston Chevrolet, vainqueur ici. Il y a une éternité en 1920, un Français en tête à Indianapolis. Avec Alexander Rossi qui ne relâche pas la pression. Ça va être jusqu'au bout, jusqu'au dernier virage. Simon Pagenaud avec Alexander Rossi. Il va résister, Simon. Attention à la ligne. Maintenant, il faut tenir jusqu'à la ligne, Simon. Jusqu'à la ligne, jusqu'au yard of break. Jusqu'aux dernières lignes. Simon Pagenaud, le poleman qui va résister jusqu'au bout. Il va y aller. C'est bon. La victoire de Simon Pagenaud. 500 miles d'Indianapolis, il l'a fait. Et voilà, ça pose le drapeau à Damien. Non, la victoire de Simon Pagenaud. Victoire de Simon Pagenaud, Indianapolis, c'est un moment d'histoire que l'on a vécu en direct. Simon Pagenaud qui s'impose de la pole jusqu'à la victoire. Le dernier à avoir fait ça, c'était Elio Castroneves en 2009. Il devient le premier Français à s'imposer depuis 1920. Le quatrième après Jules Gou, René Thomas et Gaston Chevrolet.
quatrième position. Arnaud démarre, ça y est, qui va peut-être lancer le sprint de la roue de Jacopo Guarneri. Arnaud démarre avec Peter Sagan à ses côtés sur sa droite. Avec c'est Peter Sagan qui lance maintenant. Peter Sagan, Chimolai qui est juste derrière. Arnaud démarre. Et Peter Sagan, ça va se jouer entre ces deux hommes. Attention avec Balerini qui remonte. Oh là là, c'est très serré sur la ligne. Et finalement, j'ai l'impression que c'est Peter Sagan qui s'est imposé. On va voir ça dans quelques instants. Le ralenti que voici. Regardez directement la photo finish. Balerini complètement à l'extérieur. C'est peut-être bien Arnaud quand même. C'est Arnaud finalement qui gagne. On nous l'a dit, qu'Arnaud démarre vainqueur de cette étape. Vainqueur, le champion de France. Incroyable. Allez, ce qu'il va pouvoir. Alors attention maintenant à la lutte avec Peter Sagan qui est en quatrième position. Arnaud, on a Tony Gallop en deuxième position aussi. Arnaud qui lance. Allez Arnaud qui lance maintenant le sprint. Ça y est, Arnaud démarre qui va maintenant lancer sa pleine vitesse. Et oui, il est parti pour s'imposer à nouveau. La deuxième victoire d'étape avec Arnaud démarre qui s'impose. Arnaud démarre qui remporte finalement son deuxième succès. Il y a aussi Peter Sagan qui est là. Et à nouveau, ça frotte. Oh là 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 là. Regardez, on se cherche. C'est pas Gaviria d'ailleurs qui cherchait son sprinter. Alors que cette fois, ça y est, le sprint va être lancé. Attention, avec Peter Sagan dans la première position. Sagan qui est en train d'essayer de remonter. Arnaud démarre qui lance son effort maintenant. Qui va pouvoir s'imposer pour la troisième fois aujourd'hui devant Peter Sagan. Et bien voilà, la victoire. La troisième victoire d'Arnaud démarre. Nous avons Fernando Gaviria. Ensuite, nous avons Alvaro Hodge. Et Balerini. Et Balerini. C'est Balerini et Hodge derrière, j'ai l'impression. Et c'est Balerini qui va être le poisson pilote de Hodge là. Bon, on est idéalement placé là pour Arnaud démarre avec Peter Gaviria Sagan. Dans sa roue, Peter Sagan. Allez, Balerini là qui va se décaler, qui va tenter de lancer Hodge, je pense. Alors que Jacopo Guarneri a fait son effort maintenant, ça y est, c'est Gaviria qui s'est anticipé avec Arnaud démarre qui réagit, Arnaud démarre qui est en tête avec Peter Sagan dans sa roue. Arnaud démarre qui va chercher peut-être cette victoire. Oui, Arnaud démarre qui s'impose à nouveau devant Peter Sagan. Quatrième victoire d'Arnaud démarre aujourd'hui ici à Rimini. Et bien voilà, finalement, la mission a été parfaitement accomplie. La grande finale du 4x100 messieurs, les Français champions olympiques, mais attention, les pompes sont lâchées pour cette course de folie. Oui, et Nathan Adrian qui prend la tête dans ce relais américain et Yannick Agnel qui a eu un bon temps de réaction. Le champion olympique qui ne laisse à personne le soin de prendre les devants dans cette course, Nathan Adrian. Regardez une demi-longueur d'avance avec également James Magnusson, 4e derrière. Oh là là, 22-31 au pied au virage avec également côté français. Et bien une 6e place pour Yannick Agnel qui va devoir s'accrocher. Ouais, ouais. Et le russe Grishin qui est dedans, qui est dans la vague d'Adrian. Il faut qu'il passe le relais quand même en 4e, pas plus loin. Parce que sinon, ça va vite, très vite. Oh là là, 4 garçons sous les 48 secondes. Ou presque avec les Français 7e, 48-76 pour Yannick Agnel. Ça va être compliqué pour Florent Manodou. Se lâche complètement. Ouais, mais bonne coulée hein, pour Florent Manodou qui est passé sous les vagues. Et qui maintenant arrive à accrocher le Russe. Il est remonté jusqu'à son maillot de bain. Et peut-être que ça va lui permettre de se raccrocher au wagon de tête. États-Unis, Russie, Australie, il va falloir s'accrocher. Il y a les Italiens, il y a les Allemands au-dessus. Tout va se jouer au centième près. Très, très, très dur. Très, très dur ce 4x100. Avec Florent Manodou qui remonte. Qui est dedans, il revient. Il remonte sur la 4e position parce qu'on était quand même 7e au premier 100. Et là, Fabien Gilou qui est bon, très, très bon 100 mètres pour Florent Manodou. Quatrième, et Fabien Gillot qui part, troisième relayeur. Et Fabien Gillot, il a nagé ce matin, il a déjà testé cette eau de Barcelone. Et on voit qu'il n'est pas entamé, il s'accroche bien à Anthony Ervin. Ouais, et Tommaso Dorsonia surtout. Et Fabien Gillot qui revient sur le russe. Allez, la coulée, Fabien a s'accroché à Ryan Lochte, comme l'avait fait et surtout à Vladimir Morozov. Et on s'approche fort au fur et à mesure, c'est pas mal. Ouais, il y a les Australiens qui rapprochent les Américains. Et les Italiens qui reviennent, ils lâchent pas les Italiens. Il y a un coup à jouer pour Jérémy Stradius. Il y a un très très bon coup pour Jérémy parce que les Américains avec Adrien. Les Français qui sont 3e, 4e au virage, mais tout près, au moins de 47 secondes. Oh, c'est très très bon pour Jérémy. Allez, Jérémy. Très bon pour Jérémy.
Jérémy Stradius, le roi de la coulée, qui va tenter d'aller chercher le titre pour les Français. Il est passé devant les Australiens dès la coulée. Très, très, très bon. Jérémy Stradius. Et Jérémy qui est revenu à la même hauteur que les Américains. Les Russes, les Américains, côte à côte. Lingo numéro 4 et 5, les États-Unis, la Russie. On est passé. Il est premier, il passe juste devant. Il repasse juste devant. Et Jérémy Stradius, le nageur d'Amiens qui est en train de revenir. La France qui va peut-être aller chercher le seul titre qui lui manque. Avec à la ligne numéro 5, la Russie. Jérémy Stradius et les Américains qui reviennent. Allez Jérémy, allez Jérémy, peut-être le titre. Les Français, champions olympiques et champions du monde. Miraculeux, exceptionnel, sensationnel. Les Français ont réussi un exploit colossal. Champions du monde, un an après le titre olympique. L'exploit Stradusphérique. Et on va l'avoir, le podium français, on va l'avoir, ce podium français, un rêve pour nous autres Français. Et Johan va aller chercher son 50e podium en Grand Prix. Attention, il est tout près de se faire passer par Johan Zarco. Regardez l'attaque de Johan Zarco, ça passe, deux Français en tête. Fabio entre dans le dernier virage, Zarco à l'extérieur, reste, il garde cette deuxième place. Il est immense, Fabio Quartararo, de nouveau sur le toit du Vendée, Johan Zarco, deuxième, le Grand Prix de Doha, rendez qui nous rend complètement dingue. Et Johan Zarco monte sur le podium, il prend la tête du championnat, on pouvait pas rêver mieux.